les amis, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va très bien. On a passé une très bonne nuit. Comme vous l'avez vu, je vous l'ai dit hier, il y a l'auxiliaire de puériculture que j'ai rencontré à la maternité qui a passé la nuit avec nous. Parce que comme je vous ai dit, elle fait du domicile et elle nous a aidé un petit peu sur plein de choses. Notamment, elle a réussi à dormir 3 heures dans son lit. Toute seule dans sa chambre. On a mis la caméra et tout. Bon, ce matin, hein, de 6h30 du matin jusqu'à 8h15 à peu près. Donc presque 3h, pas totalement. Ou 2h30, je sais plus. Et ça s'est très très bien passé. Elle a pas pleuré. Elle a fait un réveil très calme. Franchement, elle a été incroyable. On lui a aussi donné hier soir son premier biberon. C'est son père qui lui a donné. Je vous avoue qu'on n'a pas filmé parce que on a capturé le moment. Voilà, on n'a pas forcément pensé à prendre nos téléphones et tout. C'était vraiment trop bien. Paga, bah, il était trop content. Il a passé un moment incroyable. Et figurez-vous qu'elle a très bien pris le biberon. Elle a eu un petit peu de mal au début. Et finalement, ça s'est très bien passé. Et ça ne lui empêche pas d'apprécier à reprendre le sein juste après. Et ça se passe très bien. Maintenant, on a intégré un biberon pour faire un test. Mais pour l'instant, je ne veux pas donner de biberon. Je continue vraiment à donner que le sein. Mais on intègre le biberon petit à petit. Donc déjà, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'elle le prend. Et après, ben, on avisera un petit peu au fur et à mesure du temps. Sinon, moi, je vous avoue que je suis un petit peu dégoûtée. Parce que ben voilà, mes problèmes de peau s'étaient bien arrangés avec la grossesse. Même un peu avant, j'avais plus trop de problèmes de peau. Et là, ben en fait, je suis au bout de ma vie. Puisque regardez ma joue, c'est en train de revenir de plus belle. Et franchement, bah, c'est chiant parce que si je me retrouve avec les mêmes problèmes de peau que j'avais il y a un an ou deux en arrière, je vais être au bout du rouleau. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais sinon, c'est incroyable. Voilà. Sinon, il y a tout qui se passe bien. On a passé une bonne nuit. Du coup, on a bien dormi. Et hier, on lui a fait son bain de thalasso. Elle a trop, trop kiffé. Je suis rentrée même dans le bain avec elle. Je me suis mise en maillot et je suis allée dans le bain avec elle. C'était ouf. Franchement, c'est incroyable. Bonjour, à qui sont ces petits beaux pieds là? Oh là là, la taille de mon pouce. Bonjour, Georgia. Oh ouais, mon amour. Ouais. Profitons de ce grand soleil. Tu as pris à 10 jours de pluie dans le sud. Alors on est beau, on est. Ben a fait le tri dans ses affaires, on va donner les petits sacs. Moi aussi, je vais faire un gros tri dans mes affaires parce que j'arrive plus à m'habiller. Donc voilà, au lieu de garder les affaires et pas les mettre, autant faire plaisir à une association. Parce qu'au moins, ça me donnera l'envie de refaire les magasins parce que j'ai plus aucune envie. Je rentre dans mon dressing, c'est le bordel. Mais je vous raconte même pas le bordel. J'ai honte de vous montrer une vidéo tellement que c'est le bordel. Pour la petite anecdote, l'auxiliaire de puériculture, c'est elle a mal au ventre, pêcheur. C'est une auxiliaire de puériculture de la clinique Bouchard qu'on a rencontrée là-bas pendant mon accouchement et on a eu un vrai coup de cœur et c'est une. D'ailleurs, les amis, bientôt, je vous ferai une story pour vous parler de cet aspirateur qui est juste incroyable. Je vais vous mettre aussi la personne qui nous l'a confié, qui nous l'a vendu. Franchement, il est incroyable. Si jamais vous avez besoin de renseignements sur cet aspirateur, c'est le Vorvec. Il est génial. Bref, je vous en parlerai un petit peu plus dans les jours à venir puisqu'il est vraiment trop bien. Là, tu es dans la descente, hein. Commence pas à me faire cabrage à Y à la Joule. Thank you.
ça y est, toi. Ça promène, ça promène. Regardez ce qu'on a trouvé, des bobs et des casquettes pastis. Mais qu'est-ce que tu racontes? On n'est pas trop beau. C'est un bon pastaga. Non mais hey, c'est trop bien. Du coup, ah oh non, je vais pas dire, hein. J'allais dire un truc, mais non, j'allais balance. Eh ben, mes deux glaçons, bébé. Ciao. Voilà, voilà. Les... mon reste. Trop beau, vous êtes. Le bob. Trop beau. Pour faire parler de la violence. Yo yo yo. Parce qu'à des où t'étais, tu t'as trop soupé, on s'est laissé, tu t'es pété, tu faisais que te répéter. Ce qui me disait mon mytho, au cas où c'est un détail. Il n'y a pas la maman pour téter, hein. Du coup, maman, elle a fait demi-tour. Elle fait pas les ongles. Et ouais, elle a voulu laisser une demi-heure. Et oui, des pépins. Oh, tu es belle, tu es. La susu, ça va pas. Les câlins, ça va pas. Il faut que le téter à maman. Trop belle, tu es. C'est le même caractère que ta mère, je te le dis. Famille, j'espère que vous allez bien. À partir de ce soir, la Ligue des Champions qui reprend, Inter de Milan, Milan AC, et demain, gros match à City, le match retour de la demi-finale de la Ligue des Champions, donc City, Real de Madrid. Petit pronostic ? City qui se qualifie et Alain qui marque. Et elle, non ? Tu es belle, tu es. Ok. Ah, mais garantie. Ah ouais ? Ok. J'ai ouais. Un don. Tu as un don ? Ah ouais, tu peux pas me le dire avant que tu as des dents comme ça? Tu es belle, tu es. Donc, City qui se qualifie. Alors, la dernière fois, il a marqué 6 buts. Hein. S'il marque pas ce soir, je m'appelle pas José Pas. Non? On va voir. Ok, donc qualification de City. Ok, ben je vais jouer ça, les copains. Voilà. Vous le savez, je vais ouvrir ma petite application, comme d'habitude. Hein. Donc, bien évidemment, vous le savez. Tranquille, on y va piano piano, on y va doucement, le pari, on y va tranquille, c'est vraiment pour s'amuser. Les mineurs, vous l'avez compris, on est de Teco, hein, on peut pas jouer, c'est interdit pour vous. Mais pour toutes les personnes, surtout pour toutes les nouvelles personnes qui veulent jouer, parier, n'hésitez pas à télécharger l'application Unibet, utilisez mon petit code de parrainage, donc PAGA, jusqu'à 100 euros de bonus offert à ma communauté. Je vais ouvrir ma petite application et je vais écouter bébé, on va tout mettre sur City. Même si mon cœur est quand même pour Karim, pour le Real. Mais j'aime aussi City, donc je vais ouvrir mon application et je vais tout mettre sur la qualification de City. Et je vais mettre un but de Erling Haaland. C'est parti. Voilà la famille, bonsoir, bienvenue. Alors je vais faire mon petit pari sur Unibet pour demain directement. Je vais créer mon pari, ça s'appelle le pari MyBet. Regardez, je vais à gauche, en haut à gauche. Football, Ligue des Champions, les matchs. Il me sort Manchester Real ou Inter Milan. Je vais parier sur Manchester City Real. Je vais cliquer dessus. Il y a marqué My Bet, crée mon pari. Je vais créer mon pari. Résultat du match, je vais mettre Manchester City et je vais mettre Erling Haaland. Voilà, ça me fait une petite cote à 2,03. Voir mon My Bet. Hop, je vais le créer. Et voilà. Et si vous voulez me suivre, n'hésitez pas. Mon pari est placé, la Fafa. Bisous d'amour. Trop beau, ils sont. Et lui, non? Allez, la flingue.
Coucou Snapchat, ça fait très longtemps que du coup on s'est pas vu, on s'est pas parlé. Ça fait plus d'un mois, je crois, que je n'ai pas fait de story sur Snap. En vrai, il n'y a pas de raison particulière. C'est juste que je vous avoue que je suis à fond sur Instagram et que du coup, en fait, je délaisse Snapchat tout simplement parce que c'est quand même. En fait, j'ai plus le réflexe d'aller faire des stories sur Snap, sur Insta que sur Snap. Mais du coup, je voulais quand même faire une petite story pour vous tenir au jus parce que j'imagine qu'il y a des gens sur Snap qui me suivent et qu'ils ont peut-être pas forcément Instagram. Et du coup, pour les personnes qui n'ont pas Insta, qui n'ont pas pu suivre un petit peu, c'est vrai que je pense que vous avez dû voir autre part peut-être que j'ai. J'ai accouché, même sur Snap, il y a dû avoir des articles. J'ai accouché le 28 avril à 4h29 du matin d'une petite fille qui s'appelle Georgia. Donc voilà. Pour tout vous dire, j'ai eu un accouchement, comme je l'avais dit sur Insta, pour ceux qui n'ont pas suivi. J'ai accouché sur 3 jours. J'ai pas accouché en 3 jours, mais en tout cas, j'ai eu un début de travail très très long. Je suis arrivée à la maternité un mardi et j'ai accouché dans la nuit du jeudi au vendredi avec des contractions toutes les 2 minutes pendant 3 jours. Je n'ai pas eu de péridurale parce que en fait mon col il s'ouvrait pas. Moi aussi. Mon col il s'ouvrait pas. Donc quand je suis arrivée le mardi, j'étais ouverte à 1. Et on a eu espoir avec la maternité, Paga, tout ça, que le col allait s'ouvrir. Sauf du coup, on avait espoir que le col allait s'ouvrir. Et finalement, rien du tout. Et ça, pendant 3 jours. Sauf qu'au bout d'un moment, ce n'était plus possible. Et il se trouve qu'il y a eu une petite chute du cœur du bébé à 37 piles. Donc 37 semaines aménorrhées. J'ai accouché donc à 37 semaines aménorrhées. Et il y a eu une petite chute du cœur du bébé. Moi, j'en pouvais plus. Avec les contractions, je dormais pas la nuit. Vraiment, ça a été hyper intense. Même si les douleurs, elles n'étaient pas très fortes. Puisque j'étais ouverte qu'à 1. Sauf que c'était quand même douloureux et pas possible de rester comme ça. Donc, on avait espoir que soit les contractions allaient s'arrêter. Parce que ça pouvait être un début de faux travail. Que le col allait tout simplement s'ouvrir, sauf que aucun des deux. Donc avec ma gynécologue, on a pris le risque de me déclencher avec une poche d'ocytocine qui m'a été posée à 18h et j'ai accouché donc à 4h29 du matin. Donc ça a été extrêmement long, même avec un déclenchement d'ocytocine. Et en fait, pour tout vous dire, après. Une fois que la poche de cytocine a été mise, ça a mis du temps à commencer, mais une fois que ça a commencé, le col a commencé à s'ouvrir, ça a tout s'est enchaîné et j'ai eu un magnifique accouchement. Même si j'avais énormément de risques malgré le déclenchement, et c'est pour ça que d'ailleurs la maternité attendait le plus longtemps possible pour me déclencher, c'est que j'avais de gros risques de passer en césarienne. Étant donné que mon col ne s'ouvrait pas, il était fort possible que même avec l'ocytocine, ça ne s'ouvre pas, ça ne se dilate pas, que je puisse rester à 1 ou elle est bloquée à 2, bloquée à 3 et à un moment donné passer en césarienne parce que le cœur du bébé puis peut chuter. Étant donné qu'il y avait eu aussi une petite chute du cœur du bébé, à un moment donné, c'était possible que notre fille ne supporte plus les contractions, l'intensité des contractions. C'était fort possible qu'elle fatigue et qu'on doive me faire une césarienne d'urgence. Enfin, il y avait tellement de situations possibles et inimaginables que du coup, j'ai dû envisager une césarienne à un moment donné. Mais j'ai eu de la chance. Voilà, j'ai accouché par voie basse et j'ai eu un accouchement incroyable. Donc je suis vraiment trop contente. Et puis une fois que notre bébé était dans mes bras, en fait j'ai tout oublié. Ça a été le plus beau moment de ma vie, de notre vie. On a vécu mais un truc de ouf. Franchement, ça nous a soudés. C'est un truc dans la vie qui peut se vivre plusieurs fois. Mais en tout cas, il faut le vivre pour savoir ce que c'est parce que c'est tellement magique. Si je pouvais avoir un bouton aujourd'hui pour appuyer dessus et revivre mon accouchement, je le ferais des milliards et des milliards de fois parce que c'est un moment mais incroyable. Il n'y a pas de mots en fait qui peuvent décrire l'intensité.
de ce que c'est. C'est magique. Et j'ai accouché sous péridurale. Moi qui ne savais pas si j'en voulais une, je peux vous dire que Dieu merci que la péridurale existe. Parce que ça m'a tellement soulagée. J'ai eu la péridurale, je crois que j'étais ouverte à 4 ou 5. Et les contractions, mais je croyais mourir de douleur. Donc voilà. Et je peux dire aux filles qui ont peur d'accoucher, comme moi j'avais peur d'accoucher, le plus intense dans un accouchement, c'est les contractions. Sachez une chose, c'est que quand vous allez sortir votre bébé, c'est pas ça qui fait mal. Quand vous avez la péridurale, en tout cas, on sent rien. On sent les sensations, mais pas les douleurs. Et ça, c'est magique. Voilà, j'ai senti ma fille sortir de moi sans avoir mal, mais je l'ai senti. Et ça, c'est exceptionnel. Bref, je vous ai fait un recap, je suis revenue en 2 minutes, je vous ai raconté toute ma vie. Mais du coup, voilà, c'était vraiment pour vous tenir au courant pour les personnes qui n'ont pas Insta. Aussi pour le quotidien, bah, ça se passe très bien. Du coup, au quotidien, ça se passe plutôt très bien. À part les petits mal de ventre, bah, c'est un petit peu compliqué hein, pour beaucoup de bébés. Les débuts sont assez particuliers parce que du coup, il y a les petites coliques. Mais vu que j'allaite, je pense que ça y joue beaucoup parce qu'elle a des petites coliques, mais c'est rien de méchant. La malle, de temps en temps, on fait le maximum pour la soulager. Il y a des jours qui sont plus compliqués que d'autres, des nuits plus compliquées que d'autres. On peut avoir des nuits exceptionnelles et avoir des réveils genre tous les 3 heures, ce qui est quand même pas mal. Ou autant, on peut avoir un réveil... à 1h du matin et se recoucher à 4h parce que pendant 3h, bah, on aura dû la soulager, essayer de la calmer, l'endormir parce qu'elle pleure, parce qu'elle a mal. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça depuis qu'on est rentré à la maison. Mais sinon, dans l'ensemble, on est vraiment trop bien. Et on pensait pas du tout qu'on allait pouvoir le vivre aussi bien, surtout moi, vu que j'allaite. Et que c'est vraiment tout nouveau, c'était quelque chose que je ne connaissais pas, je ne m'étais pas forcément plus renseignée que ça. Et en fait, il y a tout qui se passe à merveille, mon allaitement il se passe bien, j'ai beaucoup de lait, elle tète très bien, ça dépend, la journée elle est un petit peu moins régulière, elle va avoir plus besoin de téter la journée que la nuit elle dort plus. En fait, elle va me réveiller peut-être tous les 2 heures, voire tous les 3 heures pour téter. Mais la journée, elle peut me téter toutes les demi-heures, toutes les heures, très régulièrement. Mais voilà, dans l'ensemble, tout ça pour vous dire que on est au paradis, on est aux anges. Et vraiment, c'est la plus belle chose qui nous soit arrivée. Et je me demande en fait, c'était quoi le bonheur avant que Georgia soit là. Parce que vraiment, je suis comblée. Je peux pas dire mieux que je suis comblée, je suis au paradis. Il n'y a rien aujourd'hui qui me rend plus heureuse que d'être près de ma fille. J'ai des larmes aux yeux parce que c'est des larmes de joie je sais pas. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est tellement beau, c'est tellement magique. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est plus moi qui ai besoin d'elle que elle qui a besoin de moi. Je pense que elle m'a changé de tout au tout. Je suis plus la même personne. Je suis tellement épanouie, tellement apaisée. C'est un truc de fou, franchement, ce qu'elle a pu me faire de la minute où elle est arrivée au monde et qu'on me l'a posée sur moi, c'était une évidence en fait. Et voilà. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis bonne nuit et je vais essayer de faire plus de stories sur Snap dès à présent. Et